Espagne 1931. 503 061 km², presque la France. 24 millions de personnes. En cette année 1931, la moitié de la population, 12 millions, est illettrée. Il y a 8 millions de pauvres. Il y a 2 millions de paysans sans terre. 20 000 personnes possèdent la moitié de l'Espagne. Des provinces entières sont la propriété d'un seul homme. Salaire moyen des travailleurs, de 1 à 3 pesetas par jour. Le kilo de pain vaut 1 peseta. Vingt mille moines, 31 000 prêtres, 60 000 religieuses et 5 000 couvents, 15 000 officiers, dont 800 généraux, un officier pour 6 hommes, un général pour 100 soldats, un roi, Alphonse XIII, le 14e souverain depuis Isabelle la catholique. Le 12 avril 1931, les candidats monarchistes se font battre aux élections municipales. Le roi Alphonse XIII se retire. C'est la République par surprise. Le peuple découvre qu'il existe. Il a droit à la parole, il a droit au discours. Les paysans n'ont toujours pas la terre, les ouvriers n'ont pas de travail. Tout le monde passe en même temps à l'action directe. Les monarchistes contre la République, les catalans pour l'autonomie, les anarchistes contre l'État, les paysans contre la Guardia Civil. La gauche s'organise. La droite se raidit. José Antonio Primo de Rivera fonde la Falange. Octobre 1934, c'est le soulèvement des Asturies. Les mineurs tiennent 15 jours à Oviedo et à Giron. La répression est rapide. 1500 tués, 3000 blessés, 50 000 ouvriers emprisonnés. Un général se distingue. Alcalá Zamora, président de la République, l'appelle le sauveur de la nation. Ce général se nomme Francisco Franco. 1936, les élections générales. Deux fronts. Le front populaire, le front national. Le front populaire l'emporte avec 4 millions de voix contre 3 millions et demi à la droite. Il obtient la majorité absolue au Parlement espagnol, les Cortes. Pour la première fois en Espagne, le Front Populaire est au pouvoir. Les paysans s'emparent des terres inexploitées. On libère les mineurs des Asturies. On augmente tous les salaires de 15%. Deux 200 églises détruites, 300 assassinats politiques, 130 grèves spontanées, 10 journaux pillés. Des généraux protestent, on les exile. Franco aux Canaries, Godet aux Baléares. La personne sacrée de l'Espagne est en danger. Au nom de l'Espagne éternelle, les carlistes, les monarchistes, la phalange, unis derrière la bannière de l'Église, préparent la révolte. De l'armée d'Afrique aux casernes de Burgos, circulent les mots d'ordre du complot, le mot de passe, Arriba España. Le 16 juin 1936, au Cortés, le leader de la droite, Calvo Sotelo, menace le gouvernement. Contre cet État stérile, je propose l'État intégral. Beaucoup l'appelleront fasciste,
Mais si l'État fasciste, c'est la fin des grèves, la fin du désordre, la fin des abus contre la propriété, alors je déclare avec fierté que je suis fasciste. Je déclare fou tout soldat qui, devant l'éternité, n'est pas prêt à se dresser contre l'anarchie, si cela est nécessaire. Trois semaines plus tard, Calvo Sotelo est assassiné. La révolte a trouvé son prétexte et son martyr. Madrid, le 18 juillet 1936, c'est la grève des garçons de café. Soudain, la nouvelle. La veille, les garnisons du Maroc se sont soulevées contre la République. Francisco Franco déclare à la radio de Tétouan: vous tous, qui ressentez le saint amour de l'Espagne, vous tous, qui avez juré de la défendre contre ses ennemis jusqu'à perdre la vie, vous tous, la nation vous appelle à sa défense. L'armée a décidé de rétablir l'ordre en Espagne. Par traîtrise, par ruse ou par conviction, tombent aussitôt Séville, Algésiras, Cordoue, Grenade, l'Andalousie, la Navarre, Oviedo et Saragosse. Le Pays Basque, Malaga, Barcelone, Madrid résistent victorieusement et désarment les rebelles. Franco déclare: l'Espagne est sauvée. Le président de la République, Manuel Azaña, proclame: la République continue. En fait, la guerre civile commence. Elle commence par les massacres. Riches, pauvres, patrons, ouvriers, officiers, gardes civils, prêtres, religieuses, personne n'est à l'abri. 7937 religieux sont tués. Certains sont brûlés vifs. Des deux côtés, on attendait depuis longtemps. Des deux côtés, on colle au mur, on exécute sans jugement. ...200 000 morts en deux semaines. L'écrivain Saint-Exupéry rapporte: ici, on fusille comme on déboise. Le crime eut lieu à Grenade. On a tué celui qui disait: vert, c'est toi que j'aime, vert, vert du vent et vert des branches, le cheval sur la montagne et la barque sur la mer. Il aimait les jardins secrets de Grenade, il aimait le vent, les oliviers. Il avait dit: je suis et je serai toujours du côté de ceux qui ont faim. Il avait dit: si je meurs, laissez la fenêtre ouverte. Il avait dit: non, ce sang, je ne veux pas le voir. À Grenade, dans sa grenade, fut arrêté, jugé, condamné à mort, exécuté le lendemain, le poète Federico Garcia Lorca. Mais pour des millions d'hommes, la guerre civile, c'est l'espoir. Pour les braceros qui travaillent un jour sur deux, pour les junteros qui se louent avec leurs mules, pour les rabassères qui sont chassés quand la vigne meurt,
pour les paysans de Galice, de la Manche, d'Andalousie, d'Estramadour, que l'impôt écrase depuis des siècles, l'impôt à l'État, l'impôt au Seigneur, l'impôt du sang, pour tous ceux qui ont faim depuis des siècles, pour tous ceux qui n'ont rien, la guerre civile, c'est l'espoir. Pour d'autres, la guerre civile, c'est la foi. Pour ceux qui veillent sur l'Espagne éternelle. Pour ceux qui veillent sur l'empire de Charles Quint et du Christ roi. Pour les descendants des conquistadors. Pour les mystiques de Thérèse d'Avila. Pour l'Espagne de la croix et de l'épée. Pour ceux qui ont toujours besoin de croisades. Il faut la guerre. Viva España! Viva España! Viva España! Queipo de Liano lance de Radio Séville les mots d'ordre nationalistes. Le général Mola organise l'armée du Nord, Franco, l'armée d'Afrique. La bourgeoisie nationaliste apprend le nouveau geste à la mode, le salut fasciste. Et la plus grande force de l'Espagne. L'Église prend ouvertement parti pour la rébellion. Franco dit : nous sommes catholiques. En Espagne, on est catholique. Où on n'est rien. Le chef de l'action catholique dit « Croisée d'Espagne, il faut vaincre. Vaincre, comme ont toujours vaincu les Espagnols, l'épée à la main, l'héroïsme dans le cœur et la prière sur les lèvres. » Le révérend père Ignacio Méndez Reigada dit « Le soulèvement n'a pas été seulement juste, il a été un devoir. La guerre nationale espagnole est une guerre sainte, la plus sainte que l'histoire est connue. L'archiprêtre de Burgos dit pendant la grand-messe, « Ô vous qui m'écoutez, vous qui vous donnez le nom de chrétien, pas de pardon pour les destructeurs des églises et les assassins des saints prêtres, que leur semence soit écrasée, la mauvaise semence, la semence du démon, car, en vérité, les fils de Belzébuth sont aussi les ennemis de Dieu. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Lance à Madrid, Dolores Ibarruri, femme de mineur, dite la passionaria, députée communiste. Elle appelle à l'union anarchiste de la CNT et de la FAI, catalan de Companys, socialiste de l'UGT et de l'Argo Caballero, basque d'Aguirre, marxiste du PUM, tous unis comme les doigts de la main. Le poing fermé devient le symbole de l'unité. Du côté rebelle, la révolte, c'est la fin du civil. La justice est rendue par les tribunaux militaires. La grève est passible de peine de mort. Les mercenaires musulmans sont au nombre de 40 000. La République n'a plus d'armée. Une foule de paysans, d'ouvriers, de femmes et d'enfants sont prêts à la défendre. Ils votent la résolution suivante. Nous voulons être les miliciens de la liberté, non des soldats sous l'uniforme. Miliciens, oui, soldats, jamais. Il faut tout de même en faire des soldats. En Espagne, tout le monde sait mourir.
La République doit leur apprendre à vivre, leur apprendre à vaincre. Doruti dit à ses anarchistes, nous devons remettre à demain beaucoup de réformes. D'abord, la victoire. Tout juste entraînés, à peine armés, ces combattants partent pour le front. Tous sont décidés à vaincre le fascisme ou à mourir pour la République. De l'autre côté, il faut mourir pour le Christ roi. Les deux moitiés de l'Espagne se jettent follement l'une contre l'autre. 22 juillet 1936. La première bataille a lieu au col de Somosierra, défense naturelle de Madrid. Les phalangistes du général Mola et les milices populaires madrilènes se heurtent avec fureur. Chaque pierre, chaque arbre sont défendus avec rage. On fusille les prisonniers, on achève les blessés sur place. La première menace sur Madrid est stoppée à Somosierra. Sur les autres fronts, succès en Aragon des miliciens de Barcelone. Mais le plus important se passe au sud. Le général Yagüe remonte vers le nord et conquiert Badajoz. 2000 personnes fusillées en 24 heures. Le général Mola attaque à Irún. Objectif, couper les provinces basques de la frontière française. Submergés par le feu, les défenseurs meurent sur place, la population fuit vers la France par le pont international. Sur les plages françaises, les estivants, comme toute l'Europe, sont au balcon. De Biarritz, l'ambassadeur américain Bowers écrit à Washington, la guerre sera longue. Elle dresse une armée contre un peuple. Ce peuple dont les premiers réfugiés apprennent l'exil. Les rebelles remportent leur premier succès stratégique. Tout le nord de la République est encerclé, coupé de la frontière française. À Tolède, capitale des anciens rois, les milices de la République sont maîtresses de la ville. Le colonel rebelle Moscardo s'est barricadé dans la forteresse de l'Alcazar avec 1300 soldats, 550 femmes et 50 enfants. Le chef des miliciens téléphone au colonel Moscardo. Si l'Alcazar ne se rend pas, nous allons fusiller votre fils. D'ailleurs, parlez-lui. Que se passe-t-il, mon fils? Ils disent qu'ils vont me fusiller si l'Alcazar ne se rend pas. Recommande ton âme à Dieu, mon petit. Crie Viva España et meurs comme un héros.
Au revoir, père, je t'embrasse très fort. L'Alcazar ne se rend pas. L'Alcazar devient un symbole. La République veut en finir. On fait venir des Asturies, les spécialistes de la dynamite. Largo Cavaliero, chef du gouvernement républicain, vient en personne assister à l'assaut final. Franco donne ordre à l'armée du Sud, en route pour Madrid, d'aller d'abord libérer l'Alcazar. Le 27 septembre 1936, l'Alcazar est délivré après 68 jours de siège. Franco vient en personne féliciter les défenseurs. Défenseurs de l'Alcazar, vous êtes l'honneur de l'Espagne. La guerre civile a trois mois. 17 juillet 1936, l'armée se soulève au Maroc espagnol. 18 juillet, la révolte s'étend à toute l'Espagne. L'armée d'Afrique arrive à Séville. La tâche de la rébellion s'étend sur l'Espagne. Les rebelles attaquent. Du nord contre Madrid, de Séville contre l'Andalousie. La République attaque en Aragon. À Somosierra, première grande bataille. Les miliciens de Madrid bloquent l'attaque franquiste. La République essaie de débarquer à Majorque. Irún au nord, Badajoz au sud, sont occupés par les franquistes. Le nord est coupé de la France. À Talavera, l'armée franquiste dévie, attaque Tolède et libère l'Alcazar. Au nord, les franquistes occupent Oviedo. Le 1er octobre 1936, à Burgos, le général Franco devient chef de l'État. Tous les partis de la rébellion sont fondus dans un parti unique. Un seul slogan, un État, une nation, un chef. Le 18 novembre, l'Italie et l'Allemagne reconnaissent le gouvernement de Burgos. Franco déclare « Cet instant marque le point culminant de l'histoire du monde. » Pour vaincre un peuple, il faut des armes et des mercenaires. Franco trouve l'un et l'autre en Italie fasciste. L'apport italien sera de 70 000 hommes, quatre divisions entièrement équipées. Pour la défense de la République, il fallait surtout des armes. Elles arrivent, très inférieures aux besoins, de France, du Mexique, d'Union soviétique. Le maréchal Göring, lui, fait bien les choses. C'est l'élite de la Luftwaffe et de l'armée allemande qui arrive en Espagne. La Légion Condor. Professionnels de la guerre, très entraînés, ces hommes seront les organisateurs de la victoire. Mais les meilleurs, les alliés les plus efficaces de la République, ce sont ceux-ci. Avocats, tourneurs, étudiants, manœuvres, ce sont les brigades internationales.
Ils ne reçoivent pas de soldes. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils sont accourus du monde entier. Ils vont mourir à Madrid. Madrid, c'est le cœur. Aux généraux rebelles, Franco, Mola, Cuerpo de Llano, Varela, Yagüe, à la phalange, à l'église, il manque Madrid. Le gouvernement républicain quitte la capitale. On crie dans les rues, vive Madrid sans gouvernement, tous les hommes au front, ils ne passeront pas. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Venir los franceses, venir los franceses, venir los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos. Le monde entier attend la chute de Madrid. Madrid n'est plus qu'une main crispée sur un fusil. Le général Mola prépare l'assaut final. Quatre colonnes convergent sur Madrid. Le 7 novembre, le général Mola attaque. C'est le miracle. Les franquistes sont bloqués dans les bâtiments de la cité universitaire. La 11e et la 12e brigade internationale résistent. On place des bombes dans les ascenseurs. On s'égorge de palier à palier entre voisins. On se fusille à bout portant. Thank you.
Et soudain, le front s'immobilise. Madrid tient, sous la pluie, dans le froid, dans la faim. Mais derrière chaque fenêtre, il y a un homme et un fusil. On fait partir les enfants. Les femmes doivent rester pour porter la nourriture aux hommes. On a fait partir les enfants. Il n'y a plus un seul sourire dans Madrid. Franco charge les Allemands de la Légion Condor de bombarder méthodiquement Madrid. Pour la première fois dans l'histoire du monde, ils vont pouvoir procéder à une nouvelle expérience. La démoralisation de l'ennemi par les bombardements aériens systématiques de la population civile. Millions d'habitants, 500 000 réfugiés, les caves et les métros ne peuvent contenir que 100 000 personnes. La radio franquiste de Salamanque déclare: l'Espagne n'est pas dans les édifices ni dans les villes. Elle se trouve dans les idées et dans le génie de Franco. Nous sommes en guerre, en avant et jusque par-dessus nos morts. Dans les airs aussi, pour la République, l'aventure est internationale. Venus de tous les cieux du monde, les pilotes des avions russes et ceux de l'escadrille Espagne, organisée par André Malraux, défient l'adversaire et sortent presque toujours vainqueurs des combats individuels. Madrid résiste. Il faut essayer de l'encercler. 5 brigades de l'armée d'Afrique et l'artillerie de la Légion Condor attaquent dans la vallée du Jarama. Objectif, couper la route Madrid-Valence. Les brigades internationales, les bataillons Thaelman, André Marty, Abraham Lincoln, Garibaldi, Dimitrov et le bataillon britannique passent à la contre-offensive. Thank you.
Vallée du Jarama, Jarama Valley, Vallée del Jarama. Ceux qui sont morts ici parlaient toutes les langues. Sur 15 kilomètres, 45 000 morts, 10 jours de combat. Mais la route Madrid-Valence reste à la République. Madrid n'est pas encerclée. Mussolini veut réussir là où Franco a échoué. Il veut pour lui la gloire de faire tomber Madrid. Le 8 mars 1937, 30 000 Italiens, appuyés par 20 000 légionnaires marocains et carlistes, précédés par 250 chars d'assaut, attaquent et enfoncent le front républicain à Guadalajara. Devant le danger, la division Lister se porte au front. Groupée derrière les chars russes du général Pavlov, il contre-attaque. Démoralisés par la violence de la contre-attaque, les chemises noires prennent la fuite. C'est la déroute. Ils laissent sur le terrain 30 canons, 150 mitrailleuses et 1300 camions. À 1 contre 5, les républicains remportent la victoire de Guadalajara. 12 bataillons italiens sont faits prisonniers avec leur état-major. À la nouvelle de la défaite de Guadalajara, Mussolini déclare « Tous les Italiens qui reviendront sans être vainqueurs seront fusillés ». Pour les diplomates, la guerre d'Espagne arrive trop tôt. L'axe Rome-Berlin veut la victoire de Franco. Mais les armées allemandes et italiennes ne sont pas prêtes pour la guerre mondiale. La France et l'Union soviétique souhaitent la victoire de la République, mais ne veulent pas la guerre. L'Angleterre et les États-Unis, isolationnistes par principe, se réfugient dans la neutralité absolue. Léon Blum, président du Conseil français, solidaire comme socialiste de la République espagnole, doit tout sacrifier à la paix civile en France. Il invente la formule « non-intervention dans la guerre d'Espagne ». Adolf Hitler approuve la non-intervention. Elle sert son but, gagner du temps. Joseph Staline travaille à la victoire de la République espagnole, mais il assure avant tout la sécurité de son pays. Franklin Roosevelt préserve les principes de la vie américaine, sa doctrine, la neutralité. Benito Mussolini proclame ouvertement son soutien à Franco. Il est prêt à se battre, mais pas seul. Neville Chamberlain, le premier britannique, veut l'entente avec les dictatures pour sauver la paix. Pour concilier toutes ces contradictions, un comité se réunit à Londres. Tous les pays membres acceptent officiellement de ne pas intervenir dans la guerre d'Espagne. L'Allemagne envoie la Légion Condor à Franco et accuse l'Union soviétique d'envoyer des chars à la République espagnole. L'Italie envoie un corps expéditionnaire à Franco et accuse la France de trafic d'armes avec la République espagnole. L'Angleterre et les États-Unis désapprouvent tout le monde. Et pendant ce temps-là, la Légion Condor et le corps expéditionnaire italien contribuent activement à la victoire de Franco. Franco, repoussé à Madrid, attaque par le sud. Les miliciens de la République sont débordés par les bataillons italiens du général Roata et les troupes nationalistes commandé par le colonel duc de Séville.
les défenses républicaines sont rompues, Malaga est investie. Dans les 7 jours qui suivirent la chute de la ville, des milliers de sympathisants de la République, militants, ouvriers, femmes, paysans, sont exécutés sans jugement. Tous les jours, à l'aube ou le soir, les sinistres véhicules vont prendre livraison de leurs victimes. Les grands massacres provoquent l'indignation d'un témoin direct, Georges Bernanos. Il écrit dans les grands cimetières sous la lune. On les raflait chaque soir dans les hameaux perdus, à l'heure où ils reviennent des champs. Ils partaient pour le dernier voyage, la chemise collée aux épaules par la sueur, les bras encore pleins du travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table. Et une femme qui arrive trop tard au seuil du jardin, tout essoufflée, avec le petit baluchon serré dans la serviette neuve. Adios. Recuerdos. Ne réveillez pas les gosses. À quoi bon? Vous me menez en prison, n'est-ce pas, Seigneur? Perfectamente, répond le tueur qui parfois n'a pas 20 ans. Queipo de Llano déclare, je chercherai mes ennemis là où ils sont, et s'ils sont morts, je les fusillerai à nouveau. Personne ne proteste, sauf un homme, le vieux philosophe Miguel de Unamuno, auteur du sentiment tragique de la vie, recteur de l'université de Salamanque, maître à penser de sa génération, resté à la tête de son université en territoire nationaliste. Le jour de la fête de la race, à Salamanque, dans le grand amphithéâtre de l'université, le général franquiste Milan Astray, mutilé de guerre, injurie la Catalogne et le Pays basque, tandis que ses partisans hurlent « Vive la mort !» Unamuno se lève lentement et dit « Il y a des circonstances où se taire est mentir. Je viens d'entendre un cri morbide et dénué de sens. Vive la mort !» Ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Milan Astray est un infirme. Ce n'est pas discourtois, Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Je souffre à la pensée que le général Milan Astray pourrait fixer les bases d'une psychologie de masse. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il ne vous en faut. Mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il faudrait que vous persuadiez. Or, pour persuader, il vous faudrait avoir ce qui vous manque. La raison et le droit dans la lutte. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé. Consigné sur ordre à son domicile, Miguel de Unamuno mourut le cœur brisé quelques semaines plus tard. Coupé de Madrid, coupé de Barcelone, loin du gouvernement de Valence, le Pays basque est seul pour défendre sa démocratie patriarcale, son droit à la liberté et sa langue. Depuis des siècles, les Basques luttent pour leur autonomie. Franco la refuse, la République l'accorde, le Pays basque est républicain. Dirigé par le président Aguirre, le Pays basque, devenu l'Euskadi, vit sa propre guerre. Le clergé basque, directement issu du peuple, soutient la lutte de l'Euskadi. Il est le seul clergé d'Espagne qui soit du côté de la République. Pour le Pays basque, voisin des Asturies, les débuts de la guerre civile furent assez faciles.
des combats rapides, victorieusement menés par les milices basques et les mineurs asturiens, conserve le nord de l'Espagne à la République. Le 22 mars 1937, Franco décide l'offensive contre le Pays basque. Le général Mola lance un ultimatum. J'ai décidé de terminer rapidement la guerre dans le nord. Ceux qui livreront leurs armes auront la vie sauve et leurs biens seront épargnés. Mais si la soumission n'est pas immédiate, je raserai toute la Biscaye. La Légion Condor expérimente une nouvelle méthode dite du tapis de bombe. Les résultats, soigneusement photographiés, furent communiqués à Berlin et jugés fort intéressants par le maréchal Göring, chef de la Luftwaffe. Il y avait dans le Pays basque une ville sainte, nommée Guernica. Depuis des siècles, devant le vieux chêne de Guernica, les rois d'Espagne venaient, une fois l'an, prêter le serment de respecter les libertés des Basques. Sous le chêne de Guernica la Sainte, les anciens venaient rendre la justice. Le dimanche 26 avril 1937, c'était, comme tous les dimanches, jour de marché à Guernica. À 5 heures de l'après-midi, des quatre collines qui sont l'horizon de Guernica, à 5 heures de l'après-midi, les avions étaient des Heinkel 111 et des Junker 52. Le bombardement a duré 3 heures. Les vagues se succédaient avec précision toutes les 20 minutes. Les bombes pesaient 500 kilos. 1654 morts, 889 blessés. Il y avait 7000 habitants à Guernica. Le général allemand Galland, commandant de la chasse allemande, dira plus tard, Guernica n'était pas un objectif militaire, tout simplement une regrettable erreur. Ils ont fait la guerre pour être un peuple uni. La guerre les oblige à disperser leurs enfants. Ces enfants qui voulaient se battre, ces enfants à qui on a dû interdire le courage, ces gosses qui savent mourir comme des soldats, pleurent comme les autres enfants. La plupart de ces enfants ne reverront plus leur pays. Ils grandiront ailleurs, au Mexique, en Russie, en Angleterre, en France. Enfoncés au début de l'offensive, les troupes basques se retirent derrière le cercle de fer, ligne fortifiée de Bilbao. L'artillerie italo-allemande de l'armée franquiste a brisé le cercle de fer. L'armée basque,
écrasés par la supériorité mécanique, livrent à 1 contre 3 un combat d'arrière-garde. Bilbao est tombé, mais le massacre du peuple basque, coupable du crime de non-rébellion, provoque un scandale dans le monde catholique. Pour répondre à cette indignation et à la demande de Franco, le cardinal Gomá y Tomá, primat d'Espagne, fait parvenir aux évêques du monde entier une lettre collective. Aujourd'hui, il n'y a d'autre espoir de reconquérir la paix et la justice que par le triomphe du mouvement national. Dans la nuit du 27 octobre, 16 prêtres basques sont exécutés, 278 sont emprisonnés, 1300 sont qualifiés d'indésirables. Leur crime, avoir maintenu la présence du Christ dans la République. À la suite de ces assassinats, François Mauriac répond. Nous disons que les meurtres commis par des Maures, qui ont un sacré cœur épinglé à leur burnous, par des aviateurs allemands et italiens au service d'un chef catholique et qui se dit soldat du Christ, nous disons que c'est là une sorte d'horreur dont les conséquences sont redoutables pour la cause qui devrait nous importer par-dessus toutes les autres et qui est le règne de Dieu sur terre. En 8 semaines, le Nord est entièrement occupé par les forces de Franco. Les Italiens occupent Santander. Les légionnaires et les Marocains occupent Gijón. En terre d'Espagne, la guerre ne se compose pas d'une série de batailles. C'est une suite de tragédies. Le tranquille village de Brunete sera choisi comme point d'impact de l'offensive républicaine. Objectif, desserrer l'étau autour de Madrid et obliger Franco à dégarnir le front du Nord. Incapables d'exploiter leur succès initial, les républicains perdent du temps et permettent au général franquiste Varela de contre-attaquer. Brunete a été pris et repris. Pour ses ruines sous le soleil, 12 jours de bataille, 40 000 morts, la République a gagné 5 kilomètres. Un mois après Brunete, la République attaque à nouveau. Centre de l'attaque, la petite ville fortifiée de Belchite. Depuis le début de l'insurrection, Belchite et Saragosse résistent aux miliciens de la République. Belchite, c'est la fascination. Le général républicain Rojo déclare « C'est la lutte du courage contre le courage. C'est une bataille d'Espagnol contre Espagnol. » Le général franquiste Yagüe déclare de son côté « Les Rouges luttent avec fermeté. Ils sont Espagnols et par conséquent courageux. » La République a conquis Belchite. Elle a gagné du temps. Elle a perdu trop d'hommes. La guerre, c'est faire l'impossible pour que des morceaux de fer entrent dans la chair vivante. Pendant qu'on se bat au Pays Basque, à Brunete, à Belchite,
pendant qu'on se bat à Madrid. Le gouvernement de la République siège à Valence. Les conseils des ministres se succèdent. Un président du conseil en remplace un autre selon le jeu classique des démocraties. Giral, Largo Caballero, Negrín. De l'un à l'autre, c'est la même politique, ou la même impuissance de politique. Le pouvoir de décision est ailleurs. Le général Miaja à Madrid. Le président Companys à Barcelone. Le président Aguirre à Bilbao. Les problèmes réels aussi sont multiples. La République doit faire la guerre et réussir la réforme agraire. Elle doit se nourrir et nourrir ceux qui combattent. Elle doit donner en même temps le goût de la liberté et le goût de la culture. Elle doit faire front en même temps au nom de la lutte commune, aux exclusives des partis. Ils sont nombreux et divisés. Le PUM, parti d'extrême gauche, veut en même temps la victoire et la révolution. Les anarchistes du CNT et de la FAE, qui ont avec eux la majorité des travailleurs, veulent la victoire sans la discipline, le peuple sans l'État. Le Parti socialiste et le Parti communiste détiennent le pouvoir effectif. Le Parti socialiste par le nombre de ses députés, le Parti communiste par son dynamisme, plus les armes russes. Mais les conflits politiques se règlent les armes à la main et par la mobilisation de la rue. C'est dans ces conditions, auxquelles s'ajoute la pénurie croissante d'armes, c'est avec ces contradictions que le gouvernement de la République doit gagner militairement la guerre contre le gouvernement rebelle de Burgos, dirigé par un soldat de métier. En plein hiver, pressé par les difficultés intérieures, hanté par la crainte d'une nouvelle offensive de Franco sur Madrid, les Républicains attaquent Teruel. Teruel est tout de suite débordé, mais la tourmente de neige ralentit les combats. Par moins 18 degrés, le matériel s'immobilise, les hommes sont gelés. Franco, surpris au début, contre-attaque violemment. 180 000 combattants se trouvent concentrés dans le froid, sous la neige, dans un espace réduit. Dès que le temps le permet, 100 000 républicains se ruent à l'assaut de Teruel. Janvier 1938, le communiqué officiel annonce « Teruel appartient entièrement à la République ». 10 jours après, Teruel est à nouveau assiégé. L'armée d'Afrique, avec l'appui des chars italiens, contre-attaque. Jours, la République perd 15 000 hommes. Sur les ruines de Teruel flotte le drapeau franquiste. La guerre civile a 2 ans, 15 décembre 1937, Teruel. La République attaque le point avancé de la zone franquiste. Teruel est pris, 7 février 1938. Contre-attaque victorieuse des franquistes. Le front est enfoncé en Aragon. La mer sera atteinte à Vinajos le 15 avril. L'Espagne républicaine est coupée en deux. L'équilibre est définitivement rompu. L'armée républicaine, épuisée, mal équipée, bat en retraite sur tous les fronts.
les troupes de Franco atteignent la Méditerranée à Vinaros le 15 avril 1938. La République est coupée en deux, Madrid est séparée de Barcelone. Sur deux tiers de l'Espagne règne désormais l'ordre nouveau, l'ordre franquiste. Les trois piliers de l'État national syndicaliste sont l'armée, l'Église, le parti. Les militaires ont le droit et le devoir d'apprécier le manque de capacité et les fautes morales des civils. Les militants de la phalange sont chefs de quartier, chefs de sous-quartier, chefs d'îlot, chefs de maison. Les buts de la vie sont les suivants: combat, sacrifice, discipline, lutte, austérité. Sous la tutelle des trois polices, la Seguridad, la police secrète et la police de la phalange, on récite la nouvelle oraison nationaliste. Je crois en la propriété et en la grandeur de l'Espagne dans laquelle se poursuivra la route traditionnelle. Je crois au pardon des repentis de cœur. Je crois en la résurrection des antiques corps de métiers organisés en corporations et en la tranquillité durable. Ils n'ont pas peur de la mort, mais ils ont peur de mourir, car ce sont des civils, soldats du peuple, soldats de la vie et non de la mort. Ces civils sont devenus l'armée de la République. La République les lance dans sa dernière bataille. Négrin, président du Conseil, leur dit « On ne perd une guerre que si on la considère comme perdue. C'est le vaincu qui proclame le vainqueur. 100 000 hommes, toute l'armée du Nord, engage l'opération tactique la plus audacieuse de la guerre d'Espagne. Le général Modeste va conduire ses troupes à la dernière offensive de la République, le passage de l'Ebre. » La division Lister perce les défenses nationalistes et pousse jusqu'à Gandesa, à 40 km derrière les lignes ennemies. Lister dit à ses officiers, si quelqu'un perd un pouce de terrain, il doit le reprendre à la tête de ses hommes ou il sera exécuté. Thank you.
président Negrin veut profiter de la victoire de l'Èbre et de la crise internationale de Munich pour obtenir la paix. Il propose à l'Europe et à Franco les bases d'un compromis. Pour démontrer sa bonne volonté, il retire du front, en pleine bataille, les brigades internationales et les renvoie dans leur pays. Le départ des brigades internationales, ce fut le crève-cœur de l'Espagne. La Passionaria leur dit adieu à Barcelone. Vous parliez des langues différentes, mais nous nous entendions. Vous connaissiez le danger, vous l'affrontiez en chantant. Vous pouvez partir la tête haute. Quand les oliviers de la paix reverdiront chez nous, revenez. Et vous, femmes d'Espagne, parlez à vos enfants. Parlez-leur des brigades internationales. Dites-leur comment, traversant les océans et les montagnes, ces hommes sont arrivés dans notre pays. Ils ont tout abandonné pour venir ici et nous dire « Votre cause, la cause de l'Espagne est la nôtre. » Beaucoup d'entre eux, des milliers d'entre eux restent ici avec comme linceul la terre espagnole. Repoussant les offres de paix de Negrin, Franco veut et prépare la victoire totale. Il a obtenu d'Hitler le renforcement de la Légion Condor. Ses troupes de réserve, entraînées par les instructeurs italiens et allemands, vont monter au front. Les armes nouvelles reçues d'Allemagne lui assurent une supériorité mécanique absolue. Le 23 décembre 1938, alors que le nonce du pape demande, au nom du Saint-Père, une trêve pour Noël, Franco commence l'attaque. 600 pièces d'artillerie et 1000 avions ouvrent la brèche. Craque de partout. L'armée nationaliste balaie la Catalogne. Mais Serrano Suñer, secrétaire général de la Falange, se méfie. Il dit... L'accueil enthousiaste que la population fait à nos troupes ne doit pas nous illusionner. La population, dont j'ai pu personnellement examiner la conduite, est malade moralement et politiquement. Barcelone sera donc traitée par nous au début comme un être malade. 200 000 soldats républicains sont faits prisonniers en Catalogne. Ils sont interrogés, triés. Les présumés coupables sont exécutés. Les autres, libérés au bout de quelques mois, resteront les parias du régime. La fin de la Catalogne fut le début du grand exode. Ils sont 300 000 qui fuient vers la frontière, dans la main fermée de certains, une poignée de terre.
franquistes ferment la dernière frontière, les vaincus ne pourront plus choisir l'exil. Les enfants catalans apprennent un nouveau salut. Reste Madrid. Negrín et les communistes veulent résister jusqu'à la mort. Les officiers supérieurs de la République se révoltent. Franco exige la reddition sans condition, il capitule. À midi, le 27 mars 1939, les troupes rebelles du général Franco entrent dans Madrid. Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini télégraphie. Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire. Berlin, juin 1939. Hitler passe en revue la Légion Condor. Ils sont l'élite de l'armée allemande. Trois mois plus tard, ils seront à Varsovie. Un an après, à Paris. Espagne, 1939. 503 061 km², presque la France. Il y a 2 millions de prisonniers, 500 000 exilés. En trois ans, 1 million de morts violentes. Un parti unique, la Falange. Un chef unique, le Caudillo. Le 31 décembre 1939, Franco proclame: ce dont nous avons besoin, c'est d'une Espagne unie. Consciente. Il est nécessaire de liquider les haines et les passions laissées par notre guerre passée. Mais cette liquidation ne doit pas être faite à la manière libérale, avec amnistie monstrueuse et funeste, qui sont une duperie plutôt qu'un geste de pardon. Elle doit être chrétienne, grâce au rachat par le travail, accompagné de repentir et de pénitence. Sommossière, autant d'hommes sont morts pour Madrid. Au col de Sommossière, à l'aube, comme tous les jours, un homme retourne à son travail.